Chaque été, les touristes affluent sur la Côte d'Azur. La région cannoise voit à elle seule sa population multipliée par 3. La plage, les maisons de rêve, les fêtes, la panoplie parfaite des vacances. Mais l'envers du décor, c'est aussi ça. Alors tu dégages ou je tasse ? Tu dégages ou je tasse ? Ça part un peu de partout et eux-mêmes, ils savent même pas pourquoi. Donc... Tu recules. Bagarre, noyade, trafic de drogue. C'est quoi ? De l'herbe ? Ou conduite en état d'ivresse. Vu la manière dont vous conduisez, vous ne ferez pas un mètre de plus avec ce véhicule. Pour veiller sur ces milliers de vacanciers, les 170 gendarmes de la région sont en état d'alerte maximum, 24 heures sur 24. Hey, je sais pas ce qu'il fait, ce petit con là. Vous êtes une bande rivale ? Vous êtes qui pour me parler Monsieur. De L'été, la consommation d'alcool des vacanciers grimpe souvent autant que la température. Vous amusez avec nous, j'ai pas que ça à faire. Maintenant, ça commence à me fatiguer. Et ceux qui prennent le volant deviennent de véritables dangers de la route, que les gendarmes traquent coûte que coûte. Arrête-toi. Ouais. J'ai vu une Audi S5 démarrer à fond de balle. Le luxe, la vie facile. En vacances, certains dérapent, se livrant à tous les excès. Et même à des trafics illicites. Pour les gendarmes, c'est la saison de tous les dangers. C'est la gendarmerie, vous ouvrez s'il vous plaît. Bonjour. Vous êtes placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants. Laisse-toi. Enfin, l'été Laisse-toi. Sur la côte, c'est aussi beaucoup de drames humains. Maladies, solitude et coups de folie. Les gendarmes sont parfois obligés de jouer les anges gardiens. Nous, on peut pas vous laisser là toute seule. J'ai dit, je reste chez moi. Cannes, Villeneuve-Loubet, Mandelieu-Lanapoule. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi l'été sous haute tension des gendarmes de la Côte d'Azur. 14 juillet, un petit village près de Cannes. Dans les rues, le bal bat son plein et l'alcool coule à flot. La fin des festivités risque d'être mouvementée. Une soirée à haut risque pour les gendarmes de la Côte d'Azur. Chaque été, Claude et ses hommes ont fort à faire avec les milliers de touristes venus passer leurs vacances sur la côte. Ce soir, ils sont sur le qui-vive. Les gens sont alcoolisés, ils n'ont pas forcément envie de rentrer chez eux. Et quand on leur dit c'est terminé, ça leur plaît pas forcément. La fête terminée, la tension monte pour les hommes du PSIG, le peloton de sécurité et d'intervention. À quelques rues, une bagarre vient d'éclater. Recule de là. Non, tu recules de là. Non, c'est mon petit frère, Mayotte. Même si c'est ton petit frère. Les hommes du PSIG s'interposent. Recule de là. Tu recules. Les jeunes ont décidé d'en découdre. Ils ne prêtent aucune attention aux invectives des gendarmes, obligés de se jeter dans la bagarre. Tu recules. C'est ton pote, tu recules pour l'instant. Dépêche-toi. Le plaqué pas comme ça. On n'a pas le plaqué, tu recules. La situation devient incontrôlable. Recule de là. Claude emploie les gros moyens et dégaine son taser. Maintenant tu dégages ou je tasse. Tu dégages ou je tasse maintenant. Tu recules. Une arme capable d'envoyer une décharge électrique de 50 000 volts, de quoi immobiliser n'importe qui. Ils finissent par venir à bout des forcenés. Ça part un peu de partout et eux-mêmes ils savent même pas pourquoi. Donc c'est. D'autres personnes qui ont vu, qui veulent se rajouter dessus, veulent venger le collègue de l'autre. Mais bon, c'est des gamins de 15 ans. Tous mineurs. Claude décide de n'arrêter personne et les pousse à rentrer chez eux. Allez, rentrez chez vous, là. Ils sont tous barrés, les petits conquêtes. Ceux qui sont retournés là-bas, ils sont tous barrés. Ils sont partis. Bah écoute, on va faire un tour en bagnole, on va voir là si c'est calme et puis sinon on rentrera. Quoi. À plus tard. Ciao. Les bagarreurs ont compris la leçon et se sont dispersés. Les gendarmes peuvent continuer leur patrouille. Pour eux, la nuit ne fait que commencer. Après 7 ans passés au peloton d'intervention, Claude a appris à faire face à toutes les situations. Mais il y en a une qu'il redoute particulièrement, les accidents de la route. Il est minuit quand la patrouille voit passer un véhicule de pompiers. Arrête-toi, mets le truc là. Les gendarmes comprennent qu'ils ont affaire à un accident grave. Un cycliste s'est fait renverser par une voiture qui a pris la fuite après l'avoir percuté.
L'homme est mal en point, il souffre d'un traumatisme crânien et les pompiers craignent que sa colonne vertébrale soit touchée. On va voir avec le gars, là. Après avoir sécurisé la zone, Claude et ses hommes recueillent les premiers témoignages. On a vu un truc s'envoler, en fait. Ouais. Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose ou pas ? Moi j'étais. Ouais, vous étiez pas là, vous avez rien vu, quoi. Ouais, mais j'ai vu une Audi S5 démarrer à fond de balle dans immatriculée en Suisse. Et elle s'est barrée ? Et eux, ils ont vu une Audi foncée, couleur foncée, ouais. Renverser le vélo. Et moi, j'ai vu, vous avez vu une S5 pas juste derrière, pour ça que je. Tu t'appelles le COG pour leur prévenir qu'il y a eu un accident et qu'apparemment, d'après leur renseignement, ça serait une Audi S5 gris foncé et immatriculée en plaque suisse et qui a pris la fuite, quoi. Il fait rapidement diffuser les premières informations à toutes les patrouilles de gendarmerie. Au niveau du... juste après le... Puis il relève tous les indices qu'il trouve sur les lieux. Traces de sang, roue arrière du vélo broyée. Tout démontre la violence du choc. Et puis ça commence par un petit délit de fuite, là. Bon, on va voir ce qu'on peut faire, hein. Ça va être compliqué, mais... C'est déjà que c'est une plaque suisse, c'est déjà pas mal. Alors que le blessé est évacué vers l'hôpital le plus proche, une course contre la montre commence. Les gendarmes doivent retrouver la voiture avant qu'elle franchisse la frontière franco-suisse. Les caméras placées sur l'autoroute pourraient bien les aider. Donc on va voir si on peut réussir à attraper une plaque avec les caméras, mais ça va pas être évident. En tout cas, l'info a été passée, on verra bien. Allez, bonne soirée. En attendant, allez, au revoir. La patrouille des hommes du PSIG n'est pas terminée. Très vite, un nouvel appel d'urgence. Il y a des violences intrafamiliales. Donc le centre opérationnel de gendarmerie nous a engagés sur le problème et on se rend au domicile pour constater déjà ce qui se passe. Après, dans le message, ouais, a reçu des coups par son beau-père. On va bien voir. Des violences intrafamiliales, il y en a toute l'année, hein, mais particulièrement quand l'été approche, quand il commence à faire chaud, les esprits s'échauffent plus facilement. Et... Ça devrait être là, c'est celui-là. Vas-y, t'attaques à tout garer là. Dès leur arrivée sur les lieux, ils tombent sur un jeune homme, visiblement très perturbé. Calmez-vous, monsieur. Mais ils ont même pas les coups pour me finir. Vous êtes blessé? Non. J'ai reçu des coups dans le crâne. Mais si, j'ai reçu des coups dans le crâne, tu arrêtes de me dire, toi. J'ai le droit de demander comment tu le mets. Monsieur, calmez-vous. Assise près de lui, sa mère est complètement désemparée. Calmez-vous. Oui, ça va aller, monsieur, vous en faites pas. Ça va aller. On va vous sortir de là. Tu restes avec lui, je vais voir le mari. Madame, je peux rentrer chez vous ? Claude veut interroger le beau-père que le jeune homme accuse. Mais avant, la maman lui donne sa version des faits. Son fils est malade, souvent en proie à ce genre de crise spectaculaire. Il est autiste. Ouais, d'accord. Voilà. Bonjour, monsieur. Donc, il a appelé déjà la gendarmerie l'autre soir. Il est en crise. On a fait venir en pleine crise, mais c'est tout bonnement plus gérable. J'ai dû le maîtriser parce que ça donnait... Voilà pourquoi l'adolescent a appelé les gendarmes. Il ne s'agit pas d'une affaire de violence familiale, mais d'un enfant malade. La mère et le beau-père sont à bout, alors Claude fait intervenir les pompiers. Vous voulez pas rester avec lui parce que... Il va pas, il me demande de m'achever, mais vous vous rendez compte? Ouais, mais ça... D'accord, bon allez, on va aller le impuissant, voir. Impuissant, il décide d'attendre les secours auprès du jeune homme. Pas évident cette situation? Non, c'est pas facile, il faut essayer de comprendre. Donc ce qui s'est passé, après voilà, nous avons une personne qui souffre certainement de troubles. Donc après... on essaie de la calmer, de la rassurer. Donc elle nous dit certaines choses, donc on essaie de la comprendre. Après, on a sa famille d'un côté aussi. Donc c'est pas évident de gérer la situation, mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai mal partout? L'adolescent semble s'apaiser un instant, mais à la vue de sa mère, il repart de plus belle. Casse-toi, toi! Casse-toi!
Allez, madame, venez pas. Rentrez, les pompiers vont arriver, il est calme, on va attendre. Pour Claude, les minutes sont longues. Allez, c'est rien. Mais si elle le pense, allez. Je le sais. C'est rien, allez. Après qu'il m'ait bastonné comme ça, elle le pense. Après qu'il ait jeté tout ce que je possédais là comme ça, elle le pense, je le sais. Ah bah tiens, ils arrivent. Plus à l'aise dans ce genre de situation, les pompiers prennent le relais. Le jeune autiste passera la nuit à l'hôpital et restera plusieurs jours en traitement dans un service spécialisé. Au revoir, madame. C'est pas évident, hein, quand son propre enfant appelle la gendarmerie en disant que ses parents le tabassent. C'est pas facile à gérer. Bon, là, il est parti à l'hôpital et il va prendre des médicaments et demain, ça ira mieux, je pense. Et vous, humainement, c'est pas assez compliqué, ce genre d'intervention ? Ça va. On a, à force, on arrive à... pas à se couper, mais à savoir faire la part des choses, quoi. Pour ce soir, Claude a eu son lot d'émotions. Mais vous allez voir que l'accident dont il s'est occupé en début de soirée ne va pas en rester là. Enquête, audition... Le conducteur de la voiture suisse qui s'est enfui en laissant un cycliste pour mort ne s'en tirera peut-être pas à si bon compte. Dès le lendemain matin, Michael reprend l'affaire en main. Il commence par recevoir les témoins de l'accident. Après, quand je suis arrivé, je pense que le vélo était bien devant Benjamin. Il a dû être embarqué par la voiture. Les auditions s'enchaînent toute la matinée. Tout de suite, j'ai vu le monsieur allongé avec une mare de sang derrière sa tête. Il était allongé au sol. Audi S5, quand elle nous a doublés, ils sont passés très vite. Ouais, quand j'ai entendu pas, j'ai vu que c'était la voiture qu'il avait percutée. D'accord. De marque, donc Audi A5. Audi type A5. Voilà. Tous confirment ce qu'ils ont dit la veille. Le cycliste a été percuté par une voiture de marque allemande. Mais le dernier témoin apporte une nouvelle information qui fait avancer l'enquête de façon spectaculaire. Lors de l'accident, mon neveu prenait ma sœur et ma femme en photo. Donc, le soir en rentrant, en regardant la photo, on a vu qu'en arrière-plan, il y avait le cycliste et je pense la voiture. Vers 23h05. Heure de l'accident, marque de la voiture... Immatriculation suisse, autour du fuyard, l'étau se resserre. Et une caméra de surveillance se trouvait bien sur la route de l'accident. Peut-être un moyen d'identifier le chauffard. On a récupéré le DVD donc avec les images de la vidéosurveillance du canet, qui filme l'intégralité des véhicules, avec les plaques minéralogiques de tous les véhicules qui donc ont emprunté l'axe où il y a eu l'accident. Et le gendarme a de la chance. Les images lui livrent même le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture. Voilà. Immatriculation suisse, Genève. Le propriétaire est suisse. Michael fait donc appel à la police de ce pays. On va passer par le centre de coopération policier-douanière. Ce sont des gendarmes basés à Genève qui travaillent avec la police suisse. Pour identifier rapidement le propriétaire du véhicule. Il ne reste plus qu'à attendre le nom de l'auteur présumé de l'accident. La victime est sortie de l'hôpital. Le gendarme peut enfin recueillir son témoignage. Si vous voulez bien me suivre. Benjamin porte une Minerve et se déplace très difficilement. C'est un miraculé, mais de son accident, il n'a aucun souvenir. La dernière image que j'ai, c'est de voir la station essence en bas de la voie rapide. Après, l'autre souvenir que j'ai, c'est à l'hôpital, quoi. Le choc lui a fait tout oublier, mais les séquelles, elles, sont bien présentes. Au niveau de ma colonne vertébrale, j'ai la C6 qui est fissurée derrière. D'où le port de la Minerve pendant 3 mois. Mon choc à la tête également a provoqué une dizaine de points de suture.
après une douleur psychologique. Je suis désolé, mais... Un traumatisme. Benjamin n'accepte pas l'attitude de l'automobiliste qui l'a renversé. On assume ce qu'on a fait, on a fait des conneries, ben tant pis, mais voilà, tu prends tes responsabilités, et ben tu... Et c'est humain, quoi, on laisse pas quelqu'un qu'on vient d'écraser comme ça, on sait pas dans quel état il est. Voilà, c'est... Ça se fait pas, c'est tout. Ça se fait pas, c'est tout. Bon, même moi, il m'a pas avisé, il m'a pas dit. Vous me suivez ? À la fin de son audition, la victime, cycliste depuis son plus jeune âge, demande à voir son vélo. En voyant la roue arrière broyée, ouais, j'ai pris cher. Benjamin comprend qu'il a échappé de peu à la mort. C'est pas mal, ouais. Ça me fait un gros choc parce que vu l'état de la roue, qu'elle a explosé comme ça, il y a de la vitesse, il y a l'impact. Et au final, c'est bien ce que je pense, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, quoi. Mon Dieu. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne journée, bon courage à vous surtout. Voilà. Merci, au revoir. On vous ouvre. Hein. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Benjamin n'a qu'un souhait, qu'un procès ait lieu rapidement pour que son chauffard ne reste pas impuni. J'attends avec impatience le dénouement de cette affaire et qu'il soit jugé en France ou qu'il soit jugé en Suisse. Et bien, si c'est en Suisse, je viendrai à l'audition du procès, il paiera tous les frais. Je veux obligatoirement une confrontation avec cette personne. Un visage, j'ai besoin de le voir. J'ai besoin de l'anéantir avec mes yeux, ouais. Comme lui, il aurait pu m'anéantir, ouais. 2 semaines plus tard, le conducteur sera localisé à Genève, en Suisse. Convoqué pour s'expliquer sur les circonstances de cet accident, sans doute commis sous l'emprise de l'alcool, il ne s'est pas présenté. Il risque jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. L'été, si les routes de la Côte d'Azur font souvent des blessés, c'est que pendant les vacances, les estivants ont tendance à consommer plus d'alcool. Vous avez consommé de l'alcool ? Alors avec 30% des délits relatifs à l'alcoolémie au volant, les gendarmes ici multiplient les contrôles. À Mandelieu-la-Napoule, Geoffrey, maréchal des logis chef, prend son service. Allez. Il part à la chasse aux vacanciers qui mélangent un peu trop conduite et apéritif. Malgré ses 22 ans de service, les contrôles aujourd'hui vont encore une fois le surprendre. On a un collègue qui a interpellé une personne et il aurait eu des violences de commis. Aussi incroyable que cela puisse paraître, une quinquagénaire totalement ivre a frappé un gendarme. Ce dernier a préféré la garder à l'arrière de sa voiture car elle est incontrôlable. Bon, il y a eu un petit accident, un accrochage de rien du tout. Et en fin de compte, il s'avère qu'une des conductrices est complètement bourrée, on va dire. Et au moment du contrôle, ça n'est plus à moi, elle essaie de me taper, mettre un coup de tête, un coup de poing. Donc elle a été interpellée, elle est placée dans le véhicule avec les menottes. Pour éviter que la situation ne s'envenime encore, Geoffrey décide de rester à l'arrière avec la conductrice. Ouais, c'est calme, ça va bien se passer. Je l'aime. Oh, bon, ça après, c'est le problème. Hein. Victime d'un chagrin d'amour, elle a beaucoup bu cet après-midi. Ce petit bout de femme s'est transformé en tigresse. Quand je vous dis ça va bien se passer, vous restez calme. Hein. Parce que si vous commencez à monter dans les tours, on ne sera pas toute seule. Hein. Vous avez compris ça, madame ? Je ne comprends pas. Voilà, vous bougez pas. Ça va, je vous lâche ? Oui. Je vous préviens, vous m'envoyez pas le pied, madame. Hein. Parce que vous risquez d'être surprise. Hein. Voilà. Geoffrey et son collègue amènent la conductrice au peloton d'autoroute pour la faire souffler dans l'éthylomètre. Il y a fort à parier que son alcoolémie dépasse les 0,5 g autorisés. Ça va bien se passer. Tu me donnes une chaise, s'il te plaît. C'est une joie. Il en faut de la patience. Hein. Ça fait chaud encore. Voilà. Je suis prête. Alors, attendez. De bière et... Eh bien, on va le voir, madame, si c'était dans un verre ou dans un seau. Voilà. Et pendant que la conductrice éplorée souffle dans la machine, Geoffrey s'amuse à constater les griffures qu'elle a laissées sur la joue de Sébastien.
Mais non, non, je me moque de lui, je me moque pas de vous. Oh, commencez pas, non, commencez pas. On va rester calme, madame, on va rester tranquille. Il n'y a personne qui se moque de personne, d'accord? Non, mais moi non plus, je me moque pas de vous. Allez. Et le résultat confirme ce qu'imaginaient les gendarmes. Pour avoir le taux qu'on a dans le sang, cette mesure, il faut la multiplier par 2. Donc là, on est à 2,28 g. 2,28 g d'alcool, soit presque 5 fois plus que le taux autorisé. La femme est immédiatement conduite en cellule de dégrisement et les sanctions qui l'attendent sont lourdes. 2,28 g avec un accident matériel, déjà elle va risquer une mesure de suspension administrative de son permis de conduire. À mon avis, à ce taux-là, entre 3 et 6 mois, elle risque de perdre 6 points. Et après, voir au niveau de l'accident, je ne sais pas si c'est mon collègue qui l'était, mais un cas comme ça, l'assurance, elle ne fonctionne pas. Hein. Ça, faut le savoir. Hein. Un accident, même matériel, si l'alcoolémie qui est déterminée, l'assurance ne fonctionnera pas. Hein. Seul point positif dans cette journée difficile pour la quinquagénaire, Geoffrey et ses collègues lui font cadeau du délit de violence sur agent. Et ce jour-là, l'alcool semble mobiliser tous les gendarmes de Mandelieu. Encore. Mais certains font tout pour échapper aux sanctions. Encore, c'est bien. Encore. Non, stop. Vous arrêtez. Vous y allez tout de suite. On arrivera pas aujourd'hui. Un manque de coopération visible. On voit comme quoi c'est de la mauvaise volonté, on le voit. Si la jeune femme refuse le contrôle de son alcoolémie, c'est qu'elle a provoqué un accident en état d'ivresse quelques minutes plus tôt. Sur ces images de vidéosurveillance, on la voit sortir de sa voiture pour vomir, au pied même du gendarme qui vient de l'arrêter. La jeune femme est elle aussi placée en cellule de dégrisement. Ouais, à tout à l'heure. Pour lui permettre de repartir, les gendarmes ont demandé à son compagnon de venir la récupérer. Mais quand celui-ci se présente à moto, il n'a pas l'air très frais. Oui, 2 minutes, on fait souffler le monsieur. Allez-y. Allez-y. Sans s'arrêter. Encore. Ça vous fait 0,94. La dernière fois que vous avez bu, c'était quand? Ah, c'était il y a 1 heure ou 2. Vous avez bu combien de rosé? Ah non, vraiment, j'ai dû boire allez, toutes les bouteilles, enfin on va dire les 4-5 bouteilles qui ont tourné, j'ai dû boire un ou deux verres sur une exceptionnelle bouteille, mais je veux dire, je dois être à peut-être 6-7 verres de rosé. 7 verres, presque 1 litre de rosé, et les conséquences sont visibles. Allô? Oui. Allô? Allez, ça marche pas bien. Ah bah, on tape en dessus. Mais ça ne l'a pas empêché de prendre tous les risques pour venir récupérer sa femme. Vous vivez avec madame ou pas? Oui, bien sûr. Donc ça va être très difficile de trouver quelqu'un qui va venir vous chercher. Alors vous venez chercher votre ami, sachant que vous ne pouvez pas conduire alors. Eh ben oui, mais ça c'est un peu de ma part. Mais c'est pas je viens la chercher, je viens prendre des nouvelles d'elle et je me dis bon bah voilà, c'est maintenant bon bah ça me tombe sur le coin de la figure, et bien, c'est tant pis pour moi. Mais si j'étais pas venu, elle m'en aurait voulu de pas être venue. Mais bon voilà, c'est la vie des Français. Finalement, le couple repart à pied avec la même sanction. 6 points en moins et un permis suspendu pour au moins 6 mois. Si les touristes débarquent en masse sur la Côte d'Azur, c'est aussi pour faire la fête. Des centaines de concerts sont organisés comme ce soir sur la plage de Mandelieu. Et comme à chaque fois, les gendarmes ne sont pas loin. Car souvent, la situation peut dégénérer. Johan et ses hommes sont appelés pour une bagarre provoquée par un groupe de jeunes de la ville d'à côté. Visiblement, il y a eu un petit problème là-bas. Il y a aucun problème. Vous me dites c'est la dernière fois que vous intervenez. Déjà, vous ne levez pas les mains au-dessus de moi, là. Les adolescents semblent tous très alcoolisés. Et l'un d'eux défie les gendarmes. Monsieur, vous l'abaissez déjà d'un ton. Mais l'abaissez de quoi, monsieur? Ok. Vous êtes une bande rivale? Vous êtes qui pour me parler? Monsieur. De vous? Mais quoi, monsieur? Monsieur de quoi? Monsieur quoi? Monsieur quoi? Monsieur quoi? On va rentrer à pied, monsieur. On va rentrer à pied. Dans cet état, sans prendre à l'uniforme et monnaie courante. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
Voilà, voilà. Stop. Je ne fais pas n'importe quoi. Arrêtez. Voilà, filmez pas. Donc, ramenez votre ami. Puis y a pas. Malgré les provocations du jeune homme, Johan reste calme. Le gendarme sait qu'il ne sert à rien de réagir. Et celui qui est monté. L'alcool faisant, bon, même s'ils sont entre amis, c'est une petite bousculade, c'est bon, sous l'effet de l'alcool, plus personne ne comprend trop la situation. Et du coup, on vient, on essaye de comprendre ou de les écarter en tout cas. Et de les écarter, bah, le gendarme devient l'ennemi, hein, quelque part, et tout le monde se retourne. Et finalement, on porte le mauvais rôle en nous accusant d'hausser le ton, d'être provocateur. Finalement, les amis du récalcitrant le calmeront. Les gendarmes laisseront la petite bande rentrer chez elle. De l'autre côté de la ville, Geoffrey va lui aussi avoir fort à faire avec quelqu'un qui n'aime pas l'uniforme. On va essayer d'intercepter un véhicule qui conduit. Est-ce qu'il doit avoir un comportement un peu suspect? Ils l'ont? Elle est où? Dans le collimateur des forces de l'ordre, une voiture qui roule dangereusement sur les routes du bord de mer. En excès de vitesse, l'automobiliste aurait même failli renverser un policier municipal. Je pense pas que la voiture soit piquée parce qu'elle part pas bien fort, mais à mon avis, le ou la conductrice, elle doit être bourrée. Elle est là, vu comme elle conduit. Geoffrey a réussi à rejoindre le véhicule, déjà signalé et poursuivi par plusieurs voitures de gendarmes. C'est ce 4x4 bleu qui fonce vers l'autoroute. Hey Francis, passe! L'automobiliste fait mine de stopper. Pour repartir presque immédiatement. Arrête là! Un comportement suspect, le conducteur pourrait s'avérer dangereux. Madame, s'il vous plaît, vous mettez sur le bord. L'alcool aussi. Mais la surprise, il s'agit d'une femme âgée de 72 ans qui sort apparemment d'une soirée bien arrosée. Vous allez à la maison, vous voyez pas les gendarmes, la police municipale, les gyrophares, les klaxons, madame, les deux-tons vous avez failli me percuter sous le pont de l'Anapoul. Là, vous êtes monté sur un trottoir à deux reprises, madame. Vous avez consommé de l'alcool, madame? Bon, bah écoutez, on va vérifier ça. Vous le mettez dans la bouche et vous soufflez quand je vous le dis. Je crois pas que vous êtes la police. Non. Vous comprenez que je crois pas. Ouais. Non, pas du tout. Parce que je voudrais me ranger après. Non. Vu la manière dont vous conduisez, vous ferez pas un mètre de plus avec ce véhicule. Pas la peine de le tenir. Allez-y. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Allez-y, c'est un éthylotest, madame. C'est pour savoir votre taux d'alcoolémie. Je veux savoir si vous avez consommé de l'alcool ou pas. Au restaurant, oui. Voilà. Ben, je veux savoir le taux que vous avez, parce que la façon dont vous conduisez, madame, c'est pas une conduite normale. Mais faire souffler la vieille dame dans l'éthylotest va devenir un vrai casse-tête pour Geoffrey. Jusqu'à temps que je vous dise stop. Autrement, il faut appuyer. Mais ça fait 10 minutes que je vous le montre. Voilà, il n'y a pas à appuyer. Vous soufflez là-dedans, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de le tenir. Soufflez, encore. Voilà. Allez, c'est bon. Non, allez. Madame, vous allez venir avec nous au bureau. On va faire une prise de sang. Ça va être vite fait. Et le véhicule, c'est nous qui allons le déplacer. Certainement pas vous. Allez. Excédé par la mauvaise foi de la conductrice, Geoffrey décide de l'emmener au peloton d'autoroute. Mais la mamie ne va pas se laisser faire. Non, parce que vous savez pas qui a arrêté, alors vous arrêtez n'importe qui. Ah, ben bien sûr. Ben c'est sûr. Et alors, parce que vous êtes 06, vous avez le droit de rouler sur les trottoirs, de ne pas voir la police municipale. Vous descendez, madame, s'il vous plaît. Allez, venez avec nous, attention à la route. C'est vous qui devez faire attention. Oui. À côté de la plaque. Oui, c'est ça. On voit clairement qu'elle est sous l'emprise de l'alcool, mais le problème, c'est que. Bon. Ah, c'est une personne âgée non plus. Et le gendarme n'est pas au bout de ses peines. Arrivée au poste, la septuagénaire devient franchement désagréable. Allez-y, rentrez, madame. Entrez. C'est vous qui passez avant. Et vous allez vous calmer, madame. Mais oui, monsieur. Parce que, eu égard à votre âge, d'habitude, ça se passe pas 3 minutes quand vous êtes en train de me faire depuis tout à l'heure. Hein. Geoffrey prend sur lui. Il doit absolument connaître le taux d'alcool que cette grand-mère a dans le sang. Madame, prenez ceci, tenez-le, soufflez relativement longtemps. Non, pas comme ça, non. Non, vous le mettez dans la bouche et vous soufflez. Encore? Non. Je l'ai jamais fait. Bah oui, mais vous écoutez pas. Non, pourquoi que j'écoute ce truc-là? Non, mais c'est trop tard. Ça sert à rien.
Allez, vous savez quoi, madame? J'ai d'autres choses à faire, je ne vais pas perdre mon temps. Vous allez venir à la brigade, on va appeler le médecin, il fera la prise de sang, voilà. Et voilà. Là, ce que vous êtes en train de faire, vous amusez avec nous, j'ai pas que ça à faire. Maintenant, ça commence à me fatiguer. Alors maintenant, si vous partez là-dessus, c'est un refus de soumettre, vous prenez 6 mois de suspension de permis direct, et là, vous placez en garde à vue. D'accord? Même en étant né en... Commence à me fatiguer, là. Allez, on va à la brigade. Oui, vous avez des problèmes cardiaques. Allez, allez, on y va, madame, vous me suivez. Et hop là. Et vous vous calmez, vous vous calmez. Oh, vous êtes chez les gendarmes, là, ici, madame. Vous vous calmez, d'accord? Les coups, j'ai pas besoin de les prendre, moi. C'est clair? C'est clair? C'est clair? Normalement, on fait ça aux petits jeunes, on fait pas ça aux personnes âgées. Hein. C'est indigne. Ben oui, je m'en doute bien. Comme une adolescente, elle joue la provocation jusqu'au bout. C'est pour avoir des points en plus, vous faites ça? Des points en plus? Oui, bien sûr. Ah oui, oui, pour finir général, madame. Madame, je peux pas parler avec vous, vous êtes en état d'ébriété, ça sert à rien. Je suis absolument en état d'ébriété, j'ai rien vu. Bien sûr. Avec du pastis, qu'on ne voit jamais. Bah oui, mais à mon avis, le pastis, il est pas passé. Hein. Non, mais là, c'est quand même impressionnant, quoi. Là, on est en... Hey. Oh, c'est une personne âgée, c'est une femme. C'est une mamie, elle fait 1m60. Vous avez vu comment, en plus, elle... bientôt, elle est violente, bientôt, elle me frappe. C'est incroyable, quoi. On a ça avec des jeunes, normalement. Et ça se passe pas comme ça. Incroyable. Allez. Arrivé à la gendarmerie de Mandelieu, Geoffrey, excédé, confie la vieille dame à son supérieur. T'en mets une, donc bon, ça va 5 secondes. On va faire une petite prise de sang. Madame, on va faire une petite prise de sang. Ça vous amuse. On patiente peut-être 2 minutes. Voilà. Avec mes collègues, ils sont très gentils. Ah, j'ai vu, oui. Surtout voilà. Vraiment incompétents. Mais la mamie n'acceptera pas non plus la prise de sang. Résultat, un retrait de permis immédiat. Quelques heures plus tard, sa fille vient la chercher. Pour avoir refusé de se soumettre, cette grand-mère risque une amende de 4 500 €, une peine d'emprisonnement de 2 ans et une suspension de 3 ans de son permis. La Côte d'Azur l'été, c'est aussi le lieu de tous les privilèges. Sur les hauteurs de Villeneuve-Loubet, s'étalent les résidences les plus huppées de la région. Des domaines ultra privés que les personnes fortunées choisissent comme résidence ou pour quelques jours de vacances. Ici, c'est une ville dans la ville. Tennis, petits commerces et même salons de beauté. Tout est fait pour que les résidents ne quittent pas leur paradis. Pour les protéger de la convoitise, des dizaines de caméras de surveillance, des barrières de sécurité et un gardien à qui il faut montrer patte blanche. Nous sommes bien loin des quartiers chauds. Et pourtant, ça n'empêche pas certains résidents de se livrer à tous les trafics et même à la culture de produits illicites. Gendarmerie de Villeneuve-Loubet, 5h du matin. L'heure du dernier briefing pour l'adjudant-chef Bruno et ses équipes. On va procéder à l'interpellation de 4 individus qui sont soupçonnés d'avoir fait une plantation de cannabis sur les hauteurs de Villeneuve-Loubet. À 42 ans, dont 21 passés dans la gendarmerie, ce sous-officier est un habitué de ce genre d'opération. C'est des jeunes, hein, donc il y en a 4, 3 majeurs de 18 ans. Et le quatrième, il a 17 ans, 11 mois. Ils sont chez leurs parents. Ils sont chez leurs parents. Si l'opération s'annonce délicate, c'est justement parce qu'elle concerne des jeunes. C'est bon, on prépare les voitures. Elle se déroule dans un milieu privilégié. Pourtant, on n'a pas à lésiner sur les moyens. Effectifs renforcés, chiens anti-drogue, les gendarmes passent à l'action. Une intervention qui met fin à une enquête de plus de 15 jours. Tout a commencé par une information reçue par Bruno. Merci. Derrière ces villas de luxe, un petit coin de maquis a été choisi par quelques jeunes pour faire pousser des plants de cannabis. Donc vu l'heure, généralement ils viennent le soir, donc on ne devrait pas avoir de problème pour être démasqué ou vu. Pour l'adjudant, il est important de rester discret. Les jeunes qui seraient incriminés dans ce trafic habitent tout près. Les premières résidences sont juste là, à quelques dizaines de mètres, hein, ils sont pas loin. Hein. Et c'est vrai que sans un témoignage anonyme, c'est impossible de pouvoir trouver une plantation comme ça. Hein. La
plantation est juste derrière les bosquets, on ne les voit pas. D'ici, impossible de pouvoir détecter quoi que ce soit. Au total, une trentaine de plants de cannabis. Mais à ce stade de l'enquête, Bruno ignore encore s'il s'agit d'un trafic ou de plantations destinées à la consommation personnelle des jeunes. En tout cas, tout est organisé pour ne pas éveiller les soupçons. Là, c'est à l'abri des regards. Là, ils viennent, ça leur prend 5-10 minutes de travail par jour à arroser et après ils repartent. Le risque est faible pour eux. Pour démasquer les planteurs de cannabis, Bruno décide de mettre les lieux sous surveillance. On a eu l'idée de prendre des moyens techniques, c'est-à-dire une pose d'une caméra qu'on a bien cachée et qui a déclenchement automatique lorsque quelque chose passe devant l'objectif. Ça fait une photo, la photo est envoyée directement sur les téléphones portables des enquêteurs. Et voilà le genre de photo qu'il reçoit depuis plus d'une semaine. Quatre jeunes apprentis cultivateurs qui se relaient tous les deux jours. Les gendarmes n'auront pas beaucoup de mal à les identifier. Munis de toutes ces preuves, Bruno et ses hommes vont enfin arrêter les jeunes. En forme ? Bonjour. On devrait aller. Allez. C'est là au cas où ? Peu avant 6 heures du matin, les véhicules franchissent les grilles du domaine et se garent devant les résidences des parents des suspects. Pour réussir à les arrêter tous en même temps, les gendarmes se séparent en plusieurs équipes. Parmi les interpellés, trois jeunes majeurs, dont deux frères et un mineur. C'est la gendarmerie, vous ouvrez s'il vous plaît. Bonjour. 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 Vous êtes qui, jeune homme ? Vous avez une pièce d'identité, là ? Ouais. Vous nous la présentez, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Oui. Bonjour, c'est la gendarmerie de Villeneuve-Loubet. Et là ? Bonjour, la gendarmerie de Villeneuve-Loubet. C'est ? C'est le jeune homme ? Ah, il est là. D'accord ? Donc vous descendez, je vais vous expliquer. Cueillis en plein sommeil, les jeunes gens ne semblent pas comprendre ce qui leur arrive. Il est 6h03, vous êtes placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants. D'accord ? À compter de 6h14, aujourd'hui, 2012, vous êtes placé en garde à vue. Stupéfiant, d'accord ? Détention, acquisition, transport, ça vous parle ? Voilà, donc... Après avoir lu ses droits au premier garçon, Bruno et François commencent la perquisition de sa chambre, à la recherche de preuves supplémentaires. Mais la fouille ne donne rien. Alors avant de commencer son audition à la gendarmerie, Bruno tente d'impressionner le jeune homme devant sa mère, pour le faire avouer. Ils plantent du cannabis ? Ouais. Bah oui, on n'est pas là par hasard, bonhomme. Ce matin, je me suis pas levé en me disant, je vais me cogner le père. Ok ? Eh ouais. Donc arrête de nous le prends pas pour des idiots. Non, mais je t'explique les choses. Je préfère t'expliquer les règles du jeu, que ce soit bien clair entre toi et nous. Et après, ça ira tout seul. Même si tu m'as dit que tu n'étais, tu faisais qu'à compagnie. Okay. C'est la vérité, hein. Non. Au début de garde à vue, il y a tellement de vérité qu'au bout de 24 heures, souvent, c'est plus la vérité. Vous avez fait des conneries. Il n'y a pas mort d'homme. Oui. On vous a peut-être pris tôt dans votre escalade de délinquance. Tant mieux pour vous. Moi, je préfère ça. On commence à réfléchir. Hein. T'as une petite heure, le temps qu'on rentre au bureau, qu'on notifie certaines choses. L'intimidation de Bruno suffira-t-elle à faire craquer le garçon ? Eh oui. Au même moment, dans l'autre appartement, les recherches des gendarmes sont plus fructueuses. Une pipe utilisée pour fumer le cannabis et, plus surprenant encore, un pistolet. Heureusement, l'arme est factice. C'est à vous ? Tout ça ? Le pistolet, là, c'est un pote à vous, c'est ça ? Et ça, là ? L'espèce de chicha, c'est à vous ? Vous fumez ? Plus maintenant ? Vous fumiez avant ?
et les preuves d'un trafic s'accumulent contre les deux frères. Dans ce tiroir, une liasse de billets de banque. 195 euros là en billet, c'est quoi ? C'est à moi ça. Une somme importante pour des jeunes de 18 ans. Et les gendarmes vont faire une découverte intéressante. Cette boîte en carton transformée en germoire. De quoi faire pousser les graines de cannabis avant de les planter en terre. Mais toujours pas de traces de drogue. Alors c'est au tour du chien renifleur de passer à l'action. S'il y a la moindre trace de stupéfiant dans la chambre, Anouk va le découvrir très vite. Il y a marqué sur ce tiroir-là. Allez. Pareil, là. Il y a déjà eu. Donc là, il n'y a plus rien, il y a eu là déjà. Là. De quoi ? De l'herbe ? Non, de cannabis. Cannabis ? Pas d'herbe. Pas d'herbe. Est-ce qu'il a une veste, le jeune homme ? Avant de les emmener au poste, les gendarmes laissent les deux adolescents discuter avec leurs parents, consternés par la situation. Surtout, vous avez fait des conneries, tout ce que vous avez fait, tout. On raconte pas les mensonges, parce que la vie, on raconte pas les mensonges. Toujours, toujours, de jamais raconter des mensonges, jamais, jamais. Voilà, non, je suis surpris, mais je vois même arrêter de me fumer, ça s'est choqué comme ça. Tous les jeunes vont maintenant être auditionnés. L'enquête est loin d'être terminée. Pour Bruno, il reste à déterminer les raisons qui les ont poussés à se lancer dans ce genre de culture. On ne peut pas dire qu'ils soient dans le besoin, c'est quand même des personnes qui sont aisées. Alors l'enquête nous dira si c'est pour le fun qu'ils ont, fait leur plantation, si voilà, c'est pour trouver un peu de piment dans leur vie monotone de gens aisés. Donc on verra ça, quoi. Pour découvrir la vérité, les gendarmes n'ont que 24 heures, le temps de la garde à vue de la petite bande. Alors après la prise d'empreinte et le fichage informatique des suspects, les gendarmes vont tout faire pour obtenir leurs aveux. Mais cela ne va pas être aussi facile que prévu. Vous comprenez ? Ouais. Notamment pour Audrey, officier de police judiciaire depuis moins de 5 mois. Elle se heurte au silence du jeune homme. Concernant des plantations de cannabis sauvages, est-ce que vous avez des déclarations spontanées à faire ? Non ? Et les mises en garde de son avocate n'y changent rien. C'est que vous attendez que je vous pose des questions pour y répondre ? Alors c'est quoi ? Vous êtes obligé d'en faire à ces questions-là, bien sûr. Si vous y répondez pas, c'est devant la procureure que vous devrez y répondre. Obstiné, il pense avoir une chance de s'en tirer avec cette tactique. Il ignore encore l'existence des photos prises par les gendarmes dans le champ de cannabis. Et c'est Bruno qui le sort de son mutisme. Vous voulez voir les photos ? Oui. Allez-vous voir en photo, c'est ça ? Oui. Vous savez pas où vous étiez ? Le 28 et le 29 juin ? Oui. C'est ça ? Oui. Petit bonhomme, lève-toi. Et voir comme t'es beau. C'est bon, là ? Ça te va ? Ok. Avec le ballon. Voilà. Bon, là, c'est ton frangin, je crois. Oh, mince ! Ça dit quelque chose, ça ? Allez, va te rasseoir, là. Premier de la classe. Allez, vas-y, va te rasseoir, c'est bon. Voilà, ok. Donc on va pas y passer là 24 heures ni 48 heures. Hein. Bah, si ça continue 24 heures ou 48 ouais, heures, peut-être. Hein. Totalement pris au piège, le jeune homme reconnaît tout, sans se faire prier. Donc qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces plants de cannabis ? Non, au début, on a fait ça comme ça. Pour dire que... L'idée de faire pousser du cannabis, l'achat des graines, mais surtout le but de ces plantations illégales en pleine nature, il avoue tout, même s'il n'était pas le seul dans le coup. Donc lui, après, il nous a commencé à me payer le billet pour New York. Puis après, dès qu'il a vu, ça lui a monté trop à la tête. Qu'est-ce qui lui est monté à la tête ? De voir que ça poussait bien ? Exactement. Il s'est dit, il faut en mettre plus, faut en mettre plus. En réalité, le jeune homme est au cœur de ce qui aurait pu devenir un véritable trafic de stupéfiants. Mais avant de l'envoyer devant le juge, les gendarmes devront finir les auditions
pour découvrir quel a été le rôle exact de ses comparses. Dans quelques instants, vous découvrirez ce qui attend réellement ces apprentis trafiquants de drogue et ce qu'ils risquent face à la justice. On va pas leur mettre une médaille non plus, mais bon, c'est pas mal. Vous verrez aussi comment les gendarmes réussissent à gérer l'arrivée de 200 caravanes de tziganes. Ne faites pas de menaces. Et enfin, comment un homme a bien failli mourir noyé dans un port malgré la présence de plusieurs témoins. Des cris et tout d'un coup, plus rien. Donc il y a une personne qui meurt devant vous et ce qui vous interpelle, c'est que vous voulez pas vous mouiller. Comme tous les étés sur la Côte d'Azur, pas une semaine sans une arrivée massive des gens du voyage. Installation sur des terrains souvent non autorisés, mais aussi réaction hostile des riverains. Pour les gendarmes, c'est un véritable casse-tête. À Mandelieu-la-Napoule, dans la nuit, les caméras de la ville ont vu passer près de 200 caravanes qui se sont installées de force sur un terrain municipal dont l'accès était fermé par un muret en béton. Et ce matin, les gendarmes doivent gérer une première querelle de voisinage. Christian, adjudant-chef, va tenter de ramener la paix entre cette famille et les tziganes qui ont voulu se brancher sur leur compteur électrique. Et là, on dit de toute façon que vous ne vouliez pas, on va vous crever si vous ne voulez pas. Les menaces de mort, monsieur, je m'en passe. Un des responsables de la communauté, en fait, apparemment, il l'a menacé de mort. Il a menacé de mort, mademoiselle. Et dans tous les cas, ils se brancheront. Et de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. De gré ou de force, ils se brancheront. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pas qu'ils se branchent? Hier, les gestionnaires sont venus à 9h15 pour s'installer. Puis en voulant ça pour vous. Il y avait une voiture qui était garée là, puisque nous c'est là, nous, dans notre propriété. Et puis, comme ils ont vu la voiture, ils ont pris des masses, puis ils ont voulu saccager la voiture. Je me suis mis devant. Puis après, il y a eu plein de choses, des menaces de mort. Puis après, ils ont été cassé le mur. Puis voilà, puis ils sont installés, de gré ou de force. Voilà. Ouais, on va les gagner. On va les voir. Comme souvent dans ce genre d'histoire, les esprits s'échauffent très vite. Alors Christian et ses collègues se dirigent vers le campement, armés de gaz lacrymogène. Le pasteur est où ? Au milieu. Mais la version des gens du voyage est bien différente. C'est lequel, bonsoir monsieur. Bonsoir. Il y a un souci avec les voisins ? Non. Bah apparemment si, donc ils nous ont rappelé, donc c'est qu'il y a eu un souci. Non, c'est la dame qui gueule, mais c'est pas méchant. Elle gueule pourquoi ? Bah, elle gueule, elle veut mettre des clous par terre. Ils veulent mettre des clous sur la route pour crever les pneus des voitures. C'est une catastrophe. Vous avez voulu vous brancher sur leur compteur ? Non, c'est moi, écoutez, c'est moi le responsable. J'aurais dit, est-ce qu'il y a l'électricité ici ? Ouais. J'ai même pas eu le temps de parler, elle s'est affolée, sa fille, elle a appelé. J'ai même pas voulu discuter, on est reparti. C'est ce que vous me racontez, ou c'est de l'autre côté, chacun sa version ? Ils disent pas ça. Ils disent pas ça, forcément. Pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent, Christian met tout le monde en garde. Des propos qui ne vont pas plaire aux gens du voyage, très vite le ton monte. Vous savez très bien. Donc moi je vais vous expliquer quelque chose, on va pas venir tous les quatre patins. Ce que vous faites là, vous faites comme un enfant. Ne faites pas de menaces. Je ne fais pas de menaces. Ne menacez pas. Je vous explique. C'est tout. Ne menacez pas. Moi je vous explique aussi. Ne menacez pas. Crois-moi Luc, tu vas pas m'impressionner toi. C'est pas toi qui vas m'impressionner, crois-le. Crois-moi-le, tu vas pas m'impressionner. C'est calme et détendu. Hein, c'est calme et détendu, il n'y a pas de problème. Tu veux mettre la pression, on va l'avoir. La pression. Calme et détendu. Tu vas l'avoir la pression. Calme et détendu. Tu vas voir, ça va aller dans les deux sens. C'est bon. Alors calme-toi, mon ami. Je ne suis pas votre ami. Calme-toi, je te le dis, moi. Je ne suis pas votre ami. Calme-toi, si tu la veux, la pression, tu vas l'avoir. Arrête, c'est bon. Tu vas te calmer maintenant. C'est bon, c'est pas la faute du gendarme. C'est pas de la faute des voisins. Calme-toi, c'est tout. Arrêtez, c'est bon, excusez-moi. Les esprits semblent se calmer. Mais difficile de savoir si l'intervention des gendarmes permettra de mettre fin à la guerre de voisinage. Et beaucoup, on se sent persécutés parce que pour le temps qu'on passe ici, les gendarmes sont tous les jours là. On a des propos raciaux de la part des voisins où ils nous disent qu'ils veulent nous brûler dans les camps, mettre les chiens sur nous et crever nos pneus. Et c'est vrai que ça commence à être un peu lourd. Voilà. Pour tenter de trouver une solution, Christian donne un conseil à la famille. Scotcher leur boîtier électrique pour dissuader tout branchement sauvage. S'ils se branchent, on prend une photo et on et les vous nous appelez. Ok. D'accord. Et on vient, on fait les constatations et puis après, il suffit de suivre le fil. Oui. Voilà, mais ils le feront pas. Non, sûr. Hein. Non, mais bon, je vous dis, ils le feront pas. Et le pressentiment de Christian s'est révélé exact.
Jusqu'à leur départ, les Tziganes n'ont plus fait parler d'eux. Retour à la gendarmerie de Villeneuve-Loubet. Depuis la veille, les gendarmes interrogent des jeunes soupçonnés de faire pousser du cannabis. Un trafic qui aurait pu s'avérer lucratif durant l'été sur la côte. Pendant que les auditions se poursuivent, Bruno et ses hommes vont se charger de détruire les plans de drogue. Alors là, on va aller directement sur la plantation de cannabis, saisir les plans et puis le matériel qui a permis de faire pousser tous ces plans. Prends les cartons. Arrivés sur place, les gendarmes saisissent toutes les traces de ce système de culture bien rodé au beau milieu du maquis. C'est quoi là ? Là, c'est les petits pots là où les plants de cannabis étaient mis. Après, il les rempote directement dans la terre. Là, c'est le terreau et des bidons d'eau pour arroser. Et quelques centaines de mètres plus loin, la plantation de cannabis. C'était pas mal quoi, parce qu'il faut amener l'eau, hein. Ça fait quand même un petit trajet, donc ils avaient amené une dizaine de bidons d'eau pour éviter de se les coltiner tous les jours. Et puis le site qui est assez à l'écart quand même, non, c'est pas mal réfléchi. On va pas leur mettre une médaille non plus, mais bon, c'est pas mal. Les gendarmes arrachent les plantes pour les mettre sous scellés. En tout, 34 pieds saisis sur 3 parcelles distantes de quelques mètres. Pour Bruno, c'est un beau coup de filet. En cette saison, la consommation de cannabis a tendance à augmenter avec la présence des touristes. Étant donné qu'on multiplie la population par 3 ou 4, ça fait éventuellement 3 fois plus de clients éventuellement à approvisionner. Donc, il y a d'un petit réseau local entre amis à 3 ou 4. Après, on veut se dire, tiens, on se fait de l'argent et puis on va commencer à dealer sur la plage. On peut aller dealer dans les boîtes de nuit. On peut... Après, tout est permis, quoi. Et là, on ouvre les portes. On ouvre vraiment les portes. Hein. De retour à la gendarmerie, il va voir son hypothèse confirmée par ses collègues. Toutes les auditions des suspects se recoupent. Bon, tout le monde est là. Les jeunes s'apprêtaient bien à revendre la drogue qu'ils cultivaient. Bon, on va faire un deuxième tour de table concernant les auditions qui ont été prises et reprises. Alors moi, lui, alors il explique hein, que clairement c'est pour l'argent qu'il a fait ça. Ils avaient fait une estimation de 20 à 30 000 euros que ça leur rapporterait. Donc divisé par 4, voilà, ça lui semblait logique de toute façon, puisque équitable. 30 000 euros leur plan de cannabis. Voilà, c'est ça. Donc forcément, ça valait le coup d'investir là-dedans. Après, ils n'avaient pas prévu de mode de vente. Ils ne savaient pas encore comment ils allaient faire pour la vente, ni même pour la récolte en fait. Ils étaient assez maladroits et novices pour ça. Ouais, c'est un peu les... Voilà. Des pieds nickelés. Voilà. Des pieds nickelés qui comptaient tout de même gagner 30 000 euros. Un joli pactole pour cette jeunesse dorée qui voulait s'offrir des vacances de rêve. Bruno peut maintenant passer le relais au tribunal. Le programme, c'est on va informer le procureur de la République à Grasse, qui, au vu des faits, va prendre sa décision concernant nos gardés à vue. Voilà, enfin, la décision pénale. Donc là, c'est un peu leur sort qui est en train de se jouer. Voilà, tout à fait, en fonction de leur déclaration, des faits matériels. Et puis, le procureur va pouvoir nous dire leur casier, s'ils ont un casier, et puis prendre sa décision. Finalement, les jeunes trafiquants ont été placés sous contrôle judiciaire, en attendant leur jugement. Pour les plus impliqués d'entre eux, ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Mais pendant les vacances, il n'y a pas que les jeunes qui jouent avec le feu. Certains seniors, eux aussi, deviennent des hors-la-loi. Pour sa prise de service, François va devoir gérer une affaire peu banale. La chaleur de l'été et la solitude aidant, une vieille dame aurait perdu la tête et menacer ses voisins. Une heure après la prise de service, il y a déjà une dame apparemment assez âgée, munie d'un revolver, qui vient d'être maîtrisée. Voilà. Ah, putain. Attends, je te laisse parce qu'il y a un mec avec un pétard là dehors. A priori, c'est celui qui a maîtrisé la femme. Je t'attends sur place.
Le voisin a désarmé la mamie de 80 ans. Il est encore sous le choc, l'arme toujours entre ses mains. Bonjour. Elle est devant la maison, elle est rentrée. Baissez ça. Ah non, Baissez ça, mettez-le au sol. Je lui ai pris des mains, elle est rentrée. D'accord. Regardez les enfants, comment ils sont effrayés. C'est à qui cette arme-là? Elle m'a dit, je suis venu pour vous tuer. Je vous ai vu avec une arme comme ça, madame. J'avais mon bébé dans les bras, j'ai eu très peur, madame. Très peur. Dans la rue. Ah, dans la rue, vous prenez la rue et vous voyez tout ça. La vieille dame tient des propos incohérents. Et quelques minutes après l'agression, elle semble avoir tout oublié. Mais l'affaire reste grave. Bah pas vraiment, parce qu'au final, il y a vraiment une arme. Donc c'est toujours un petit peu délicat. À savoir si cette arme est une vraie, si cette arme est chargée, dans quel cadre elle a été prise, à qui elle appartient. Donc il y a plusieurs choses à déterminer. Ce qui est embêtant, c'est que cette dame est quand même relativement âgée. Merci. L'arme, un Magnum 357, est en réalité une réplique. Je pense que c'est une arme à plomb, il y a de fortes chances. Ok. L'arme, je vais la mettre dans le coffre. Soulagés par cette découverte, les gendarmes sont en revanche très inquiets de l'état de l'octogénaire. Pourquoi vous venez voir vos voisins avec une arme? Ils ont venu taper à ma porte, je ne sais pas. Pour François, il n'y a plus rien à faire, seulement à appeler les pompiers pour qu'ils prennent en charge la vieille dame. Vous voulez pas qu'on se pose là, parce que nous, on n'a pas votre âge, hein. On n'a pas votre forme. Hein. Mais elle n'entend pas se laisser faire et compte rentrer chez elle, quoi qu'il arrive. Parce que là, nous, on n'a pas votre forme physique. On n'arrive pas à vous suivre, vous allez trop vite. Mais attendez, il va aller ralentir alors. Ah bah c'est ça, c'est pour ça que je vous demande. On se pose 5 minutes qu'on puisse souffler. Non, on ne passe pas. Bah si, madame. Vous voulez aller où là? Chez moi. Bah on n'est pas bien là? Ça veut dire. La grand-mère ne veut rien entendre. Bah c'est pas une photo. Et quand les pompiers arrivent quelques minutes plus tard, elle a carrément décidé de ne plus partir de chez elle. Bonjour madame. J'adore les pompiers moi. Ah, bah c'est bien alors. Allez madame, on s'assoit. Bien. Vous voulez rester, mais nous, on ne peut pas vous laisser là toute seule. Je reste ici, j'ai dit. Et vous ne pouvez même pas décider si vous restez. J'ai dit. Où. C'est pour votre sécurité, madame. J'ai dit, je reste chez moi. Okay. D'accord. Et du coup, là, on est parti pour une hospitalisation. Hospitalisation d'office, donc contre le gré de madame. Ça va forcément, je pense, se faire un petit peu dans le bruit et... Et j'espère pas dans la violence, mais malheureusement, on doit emmener madame, coûte que coûte. Je vous porte le thé, le café, et je vous porte... Mais in extremis, le pompier a réussi à la convaincre. Vous n'avez jamais porté comme je vais vous porter. Il s'empresse de l'installer dans le camion avant qu'elle ne change à nouveau d'avis. Hospitalisée d'office, par décision du procureur de la République, la vieille dame l'est toujours aujourd'hui. Entre Villeneuve-Loubet et Mandelieu-la-Napoule, une vingtaine de kilomètres de plage, parmi les plus fréquentées de la Côte d'Azur. Un littoral ensoleillé et une mer turquoise qui nécessite pourtant une surveillance de tous les instants. Ce que redoutent particulièrement les gendarmes l'été, c'est ce qui pourrait gâcher les vacances de toutes ces familles et de leurs enfants. Cet après-midi, les gendarmes de Mandelieu viennent de recevoir l'appel d'une maman particulièrement angoissée. Ouais, y a une personne qui est signalée en train de prendre des photos de gosses sur la plage. Alors, on va essayer de prendre contact avec et de vérifier la validité des photos. La maman accuse son voisin de plage. C'est qui le monsieur? Ok. Les gendarmes encerclent l'homme. Monsieur, posez votre appareil. Et lui arrache son appareil. Avant qu'il n'efface d'éventuelles photos compromettantes. What's the problem? C'est un touriste allemand, surpris par cette arrivée en force. Okay. Son ami joue l'interprète. Yeah, we call us because someone called us because he has a problem with his children, you know. Okay. And he said that this guy was taking some pictures about children, young children, okay? Okay. And
Les hommes tentent de se défendre, mais Frédéric constate que beaucoup de photos ont déjà été effacées. This kind of pictures have numbers, right? That's okay. And I can see that you have deleted a lot because it passed from 61 to 63 and then 66 and then 69. What was between these kind of photos, you know? Okay. You see what I mean? I just want to have an identity card or a passport from you and it's okay. Okay. L'homme n'a pas l'air dangereux, mais vu son comportement, Frédéric ne prend aucun risque. Et pour rassurer la maman, il lui montre l'appareil où aucune photo suspecte n'a été trouvée. On va dire que pour l'instant, même les photos qui restent dessus, ça ne constitue pas une infraction à la pénale. Non, maintenant, ouais, je suis d'accord avec vous. Attention. Moi, ça me dérange qu'ils prennent mes gamins en photo. On est d'accord. On est d'accord, voilà. Cette fois, c'est une fausse alerte. Pourtant, avant de quitter la plage, Frédéric adresse un dernier avertissement aux touristes. Yeah, for the moment, I can see any bad pictures, you know, on your camera, but it's completely forbidden to take pictures about children. Completely, okay? Be careful about the children. En fait, la gendarmerie, elle laisse pas passer ce genre d'informations qu'on peut avoir, on vérifie ça à 100%, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est ce qu'on a fait, hein. Le but, c'était quoi? C'était déjà de lui faire comprendre qu'il n'avait pas à prendre des milliers de photos de tout, de n'importe quoi. Et puis surtout, je me mets à la place des parents qui voit un gars qui prend les gens en photo, qui prend leurs enfants en photo et qui forcément met un bémol à tout ça, quoi. Donc non, ça valait quand même le coup de contrôler et puis au moins on est sûr que voilà qu'il n'y a rien de méchant derrière, quoi. Peur d'une mère pour ses enfants, querelle de voisinage ou conflit entre ex-époux, les gendarmes sont souvent sollicités pour régler des affaires d'ordre privé. Car l'été, les esprits s'échauffent vite. Ah, on part sur un différend familial, avec une personne a priori assez belliqueuse. Une mère de famille a appelé les gendarmes car son ex-mari aurait été violent avec elle. Mais c'est un curieux comité d'accueil qui attend Frédéric et ses collègues. Madame, bonjour. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Je sais pas ce qu'il fait, ce petit con là. C'est mon fils. Mais il est caché là, il est caché dans les. Il a son scooter pris. Qui c'est? Explique-moi ce qui se passe. Et ben, il veut plus me laisser sortir de la voiture, il a donné des coups de pied à la voiture. Mais qui? Mon ex, regardez. Il m'a rayé tout à l'heure. Mais il est où? Comment il s'appelle? L'homme s'est enfui à l'arrivée des gendarmes. Mais il pourrait revenir et s'en prendre de nouveau à sa femme. Il est où? Viens là. Frédéric doit absolument lui mettre la main dessus. Venez là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, dites-moi? Vous avez vu, monsieur? Non, j'ai pas vu, vous pouvez venir faire souffler. Ok, on va se... Venez avec moi, on va jusqu'à la voiture. Venez avec moi. Je vais discuter. Pas de coups et blessures, pas de coups échangés. Non, quand même, monsieur. Ok, ok. Il dément avoir été violent. Pour les gendarmes, il semble de bonne foi. Tu me prends juste les coordonnées de monsieur, s'il te plaît. Ouais. Mais avant de le laisser partir, Frédéric vérifie une dernière fois que la jeune femme n'est pas en danger. Est-ce que vous avez subi des coups, vous? Oui, non, mais déjà, oui. Non, maintenant. Non, là. Maintenant, non. Ok, là, on est bien d'accord. Hein. La d'accord, ok. Par contre, il a juste tapé sur la voiture, tout ça, ok. Donc, il vous appartient de déposer plainte pour les dégradations. Ok, nous, on va lui dire qu'il quitte les lieux, bien entendu. Vous restez chez vous, là? Oui, je reste chez moi. Voilà, bon, ça reste des dégradations. C'est plus possible. Confirmé, pas de coups et blessures ce soir. Non, pas ce soir. Sois bien d'accord. Hein. Non, ok. L'ex-mari va s'en tirer avec une petite leçon de morale. Comme souvent dans ce genre d'affaires, les gendarmes servent un peu de psychologue. Pour nous, c'est réglé. Entre vous et moi, le problème, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment ça se fait qu'une femme, une femme, peut pousser ses enfants à une limite. Monsieur, ça ne me regarde pas. Vous n'êtes pas psy, vous avez raison. Malheureusement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ah, ok, moi je règle le souci. Voilà. Problème réglé, mais on ne revient pas. Non. Ok. Non, moi, il n'y a pas de problème, monsieur. Si vous devez revenir, monsieur, si j'ai mis le feu à tout lui-même, là, je rigole. Ouais, non. Je m'en fous, monsieur. On ne revient pas. Entre vous et moi, même si vous m'embarquez,
dans les deux heures qui suivent, mon avocat, il est tellement gros sur la Côte d'Azur avec le pognon. Ouais, 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 j'en doute pas. Il sort, je vais vous garantir. J'en doute pas. Parce que j'ai rien à me reprocher. Je suis un homme ou je suis droit. J'en doute pas. Mais, ok, pas. Voilà, ok. Non, mais pas voilà, affaire réglée. Merci. Je te fais un pari que dans une heure, on revient. Merci à vous, monsieur. Monsieur. Voilà, c'est fait. Dans une heure, on revient, tonton. Écoute. On fait un appel au COG. T'as fait le jour 3, machin. Problème, c'est un problème familial, comme à peu près tous les problèmes de ce type. Hein. Nous, on intervient juste pour que ça ne vienne pas aux mains, en fait. Là, pour l'instant, ça reste une petite altercation. Bon, ils ont eu peur, ils ont appelé la gendarmerie. Ils ont eu raison. Ils ont eu raison. L'ex-compagnon s'est finalement montré raisonnable ce soir-là. Frédéric et ses collègues ont pu finir leur service sans revenir sur les lieux de la dispute. À 25 km de là, à Villeneuve-Loubet, les touristes profitent aussi de la fin de journée. La marina de la baie des Anges, le lieu incontournable pour les estivants de la côte. Bar, restaurant, rien qui laisse deviner que ce lieu de plaisir puisse devenir le théâtre d'un drame. 1h du matin, les gendarmes sont appelés pour un touriste suisse qui vient de se noyer dans le port. Dans leur camion, les pompiers font tout pour maintenir l'homme en vie. Il aurait passé près de 10 minutes la tête dans l'eau. De son côté, Chloé, jeune gendarme de 27 ans, ne perd pas de temps. Elle scrute le quai à la recherche d'indices. J'en ai l'air, si par hasard il a cogné contre quelque chose ou pas, tout simplement. C'est des choses que malheureusement vous voyez assez régulièrement l'été. Les ports, la nuit, les bars. Il n'y a pas forcément la sécurité autour des bateaux qui empêche les gens de tomber à l'eau. Si Chloé commence de telles investigations, c'est que l'affaire n'est peut-être pas aussi simple. S'agit-il d'un accident ou quelqu'un a-t-il poussé l'homme dans l'eau ? Ouais, c'est un téléphone, ça. Ouais, mais de toute façon, il est tombé là, donc ça correspond, c'est son téléphone. Les policiers municipaux font une découverte qui pourrait faire rapidement avancer l'enquête. Est-ce qu'il a trébuché ? Est-ce qu'il a fait tomber son téléphone ? On ne sait pas. C'est pas pris des mains, qu'il a voulu le rattraper, qu'il a perdu l'équilibre. Le problème, c'est que le couple qui a sorti le noyé de l'eau n'était pas le premier à arriver sur les lieux. On est descendu des escaliers et là, on a entendu quelqu'un qui, enfin, des cris. Des cris et tout d'un coup, plus rien. Juste entre les deux bateaux. Et donc, il y a un homme qui était juste en face et il ne bougeait pas. Et comme nous, on ne connaît pas, on n'a pas osé s'avancer vers lui. Et puis, il est parti. Nous, on est arrivé et on a vu le monsieur dans l'eau face vers le fond. Et du coup, c'est ce qui me semblait normal. Quoi. J'ai sauté et puis et des gens sont arrivés pour me donner un coup de main pour le sortir du quai. Quoi. Voilà. Et voilà, simplement ça. On a eu les bons réflexes, je pense. Ouais. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, il paraît. A priori, il y aurait quelqu'un qui aurait pu le sauver, mais qui ne l'a pas fait. Quoi. Et cet homme, le voici, en train de donner sa version des faits aux collègues de Chloé. Après, c'est vrai que j'ai pas, que vous êtes secours. Non, mais moi, je comprends, hein, vous n'avez pas la force d'aller jusque dans l'eau, tout ça. J'ai peur. Ça, je comprends. J'ai peur. Hein. Donc, pourquoi, monsieur, excusez-moi, pourquoi vous n'avez pas appelé du secours ? Il y a des passants en disant appelez les pompiers, vous êtes parti vous asseoir là-bas en laissant le. Vous avez eu du monde. Vous avez vu du monde. Quand je suis arrivé, il y avait une dizaine de personnes. Ah, là, le fait de crier fort dans la rue, au secours, forcément, ça va attirer. Ouais, c'est pas moi qui l'ai jeté d'en haut. Hein. Ces propos ne sont pas très cohérents. Il n'a rien tenté pour sauver l'estivant. Et pourquoi se défend-il de l'avoir poussé ? Pour tenter d'y voir plus clair, Chloé le convoque à la gendarmerie. Donc la suite vraiment des événements, là, c'est l'audition de ce monsieur demain matin. Ça, c'est la reprise des choses. Bah, déjà, savoir si le monsieur a été réanimé ou pas, c'est le plus important. Et effectivement, l'audition du premier arrivé sur les lieux qui nous permettra de déterminer les circonstances de l'accident. Ce soir-là, quand les pompiers emmènent la victime à l'hôpital d'Antibes, il est dans le coma. Son état est critique. Mais quelques heures plus tard, alors que l'état de santé de l'homme s'améliore, Chloé se rend à son chevet. Elle espère apprendre de sa bouche ce qui s'est réellement passé. Nous n'aurons pas l'autorisation de filmer cet entretien. Quelques minutes plus tard, la gendarme ressort avec une information.
capitale. On a juste pu lui poser une ou deux questions et donc il nous dit qu'il était au téléphone et qu'au moment d'arriver près du port, il a glissé et il est tombé à l'eau. Et comme il ne sait pas nager, apparemment il se serait noyé. Et son état va s'arranger ? Oui, normalement ça devrait s'arranger avec les jours à venir. Hein. Là il change de service et dans les 2-3 jours qui viennent, il devrait aller un petit peu mieux. Donc là il y a pas mal de soins, donc on va le laisser se reposer. Au même moment, à quelques kilomètres de là, les collègues de Chloé ignorent toujours qu'il ne s'agit pas d'une agression. Ils se préparent à se jeter à l'eau pour tenter de récupérer le portable du noyé. Un téléphone tombé dans l'eau, c'est inexploitable, non ? Non, parce qu'il y a certains éléments électroniques comme les puces, les mémoires qui peuvent être exploités par des techniciens en laboratoire. Ce qu'espèrent les gendarmes, c'est réussir à faire parler ce téléphone englouti ici, à quelques mètres seulement de la surface. Ce téléphone, c'est le dernier témoin de la noyade. Là, on remplace en fait l'eau de mer par de l'eau douce. Il va rester dans l'eau pour éviter que la corrosion se forme. Voilà. Et après, il va être traité pour pouvoir récupérer éventuellement des données. Dans cette affaire, les gendarmes ont sorti les grands moyens. Et même s'il ne s'agit pas d'une agression, des doutes planent encore sur le comportement du principal témoin. Car Chloé et ses collègues se posent toujours une question. Pourquoi celui qui a assisté à la noyade n'a pas tenté de porter secours à la victime ? Alors, qu'est-ce qu'elle faisait dans l'eau ? Il nageait pas. Bah, qu'est-ce qu'elle faisait ? Bah, il flottait. Après, c'est vrai que bon, après, je ne vous cache pas que je passe pas à l'eau. Pourquoi ? Pourquoi je me sentais pas ? Pourquoi ? J'ai envie de me mouiller. De vous mouiller ? Oui. De vous mouiller. Donc il y a une personne qui meurt devant vous et ce qui vous interpelle, c'est que vous voulez pas vous mouiller. Si vous avez tellement peur d'aller en l'eau, il faut aller chercher du monde si vous ne vous sentez pas. C'est quand même la vie d'une personne qui est en jeu, quoi. Là, je vous cache pas que j'ai fait un peu... Un peu je savais pas, hein, j'étais un peu tétanisé de voir une personne comme ça. Face aux réactions de Chloé, le témoin prend conscience de la gravité de son comportement. Si l'accusation de non-assistance à personne en danger est retenue contre lui, il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Attends, j'espère pas que je vais avoir des problèmes par rapport à ce que je fais là-haut. Allô ? Non ? Ben, vous aurez pu au moins chercher quelqu'un qui puisse sauter à votre place si vous êtes, si vous avez un problème. Ben, écoutez, j'espère qu'il n'y aura personne qui vous regardera flotter sur l'eau pendant 5 minutes alors. L'homme ne sera pas poursuivi. Un examen psychologique montrera qu'il était tellement terrorisé au moment des faits qu'il n'a rien pu faire. Le touriste suisse, après quelques jours passés à l'hôpital, est retourné dans son pays. Les cambriolages sont le fléau de la Côte d'Azur. Dans quelques instants, vous découvrirez l'incroyable détermination des voleurs qui sévissent à la barbe des vacanciers et des gendarmes. Ah ouais, c'est un viol. On rentre dans l'intimité. Vous verrez aussi que les résidences de vacances peuvent parfois devenir le théâtre de véritables drames. Là-haut, il est sacrément abîmé. Et dans le dos, il a jugulé. Oh, il y a une trace comme ça. Il est ouvert de... L'été, les cambriolages deviennent un véritable fléau pour les touristes et les gendarmes. Parmi les régions les plus touchées, la Côte d'Azur, avec ses villas vues sur la mer et ses quartiers résidentiels huppés. Des cibles rêvées pour les cambrioleurs qui profitent du départ des occupants pour la plage. À Villeneuve-Loubet, les gendarmes sont appelés pour un cambriolage sur les hauteurs de la ville. Vous avez touché quelque chose ? J'ai récupéré ma chaîne qui était en vue, qui s'est tapée. Ouais. Après, là, j'ai rien touché. J'avais regardé avant de... Les voleurs sont passés par l'arrière de la maison et ont profité de l'absence de la famille.
suis arrivé, il y avait absent aujourd'hui ou vous étiez là aujourd'hui? On est arrivé vers midi et on est reparti vers 13h pour tous les deux. Les enfants étaient à la plage. Toutes les choses, ne touchez pas la cloche. De toutes les choses qu'on vous a dérobées, c'était dans ce domaine-là? Non. C'était fermé, ces meubles-là étaient fermés. Là c'était fermé, les rideaux étaient tirés. Voilà. Là, en haut, il y avait l'ordinateur de ma fille. Là, l'ordinateur était là. Voilà. Au total, ordinateur, téléphone portable, bijoux et chaussures de luxe, l'équivalent de 5000 euros en volée. Une somme importante pour la famille. Moi, je viens de rien, j'ai un petit peu. Vous avez essayé de dévisser? Voilà. Ah non. Ouais, un peu, ouais, quand même. Hein. 20 ans de crédit. Hein. Ok. Et je suis un ouvrier. Hein. Donc moi, je tombe là et il sort. Je le coupe en deux. Clair, net et précis. Après, advienne qui pourra. Pour les gendarmes, débute alors un travail minutieux pour trouver des indices. Tout élément, même minime, peut être important au niveau de l'enquête. Et puis, au niveau des constatations, on démarre de zéro. Donc, on part sur ce dont les auteurs auraient pu toucher ou abandonner sur place. Très vite, sur cette porte, les gendarmes font une découverte intéressante. Une empreinte. Vous dites que votre épouse est maniaque et vous aussi, donc logiquement, les traces de main, les traces de doigts, il y a peu de probabilité que ça vienne de vous. Alors ça risque d'être faible au niveau exploitation, au niveau de la surface. Malheureusement, l'empreinte est difficilement exploitable et les cambrioleurs ont laissé peu de traces de leur passage. Pourtant, ils étaient déterminés. La preuve, ils ont tenté de démonter les tuiles pour entrer. Vous avez l'air un peu choqué. Ah là, quand même, parce que à ce point-là... Une épreuve douloureuse pour les occupants de la maison, mais une opération presque banale pour les gendarmes, amenés à faire ce genre de constat plusieurs fois par semaine en été. C'est bon, ça ira? Reposez-vous tranquillement. C'est fait, malheureusement. C'est un viol. Un viol? Ah ouais, c'est un viol. On rentre dans l'intimité. Je suis désolé, mais bon, là, c'est la maison, c'est chez nous, c'est notre cocon, on travaille pour ça, et là, c'est l'intimité qui est violée, je pense. C'est chose de la vie, malheureusement. À quelques kilomètres de là, nous retrouvons Geoffrey, le maréchal des logis-chefs de la gendarmerie de Mandelieu. Lui aussi a été appelé en urgence pour un problème dans une maison de vacances. L'affaire semble grave. Il y aurait un blessé par arme blanche. Je pense qu'il y a dû y avoir une dispute, mais enfin, je ne sais pas si c'est deux hommes, un homme, une femme, une blessure avec un couteau. Faut voir. Ça, c'est... Mais le gendarme va très vite se rendre compte que les occupants de la maison n'ont rien à voir avec des vacanciers ordinaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Vous parlez pas français? Ah, bonsoir. Ouais, je parle pas français. Pas du tout. Quelle nationalité? Russe. L'homme est l'un des deux habitants de la maison. Les mobiles. Vous restez avec monsieur, s'il vous plaît. À l'étage, le gendarme découvre son colocataire, grièvement blessé. Putain, j'ai du sang de partout, quoi. J'ai du sang de partout. Parle pas un mot de français? Non. Ouais, très peu. Monsieur? Bonjour, vous parlez un peu français? Non. Un petit peu? Non. Il a échappé de peu à la mort. Poignardé au cou et dans le dos, il présente de larges blessures. Malgré son état, Geoffrey tente de l'interroger. Le coup de couteau, c'est monsieur en bas? Cuisine. La cuisine, d'accord? Cuisine, ouais. Et c'est monsieur en bas? C'est lui en bas, là? Ouais. D'accord, ouais. Arrête. L'homme ne comprend pas les questions. Le gendarme décide d'arrêter son colocataire en attendant d'y voir plus clair. Monsieur, ok, vous allez venir avec nous. Je vous emmène. Allez. Tu me le fouilles et tu me le charges. Tiens. Le suspect sera interrogé plus tard avec l'aide d'un interprète. Faudrait l'autre. Lui et son comparse sont deux ouvriers ukrainiens qui travaillent dans la région et qui partagent cette maison de vacances depuis quelques mois. Geoffrey élabore une théorie. Ils sont balafrés au couteau.
Bah, la fraie couteau, l'autre là-haut, il est sacrément abîmé. Et dans le dos, et la jugulaire. Oh, il y a une trace comme ça. Il est ouvert de. Donc, moi, ce que je veux, c'est trouver le couteau. Mais comme on ne se comprend pas. Geoffrey tente de trouver l'arme du crime. Ouais, ça doit être ça. Dans la cuisine, un canif qui pourrait correspondre. Un pompier confirme, ça pourrait être l'arme utilisée. Le mur a été confirmé à l'engagement. Tu peux faire la profondeur avec ça. C'est qu'il est rentré là à droite, il a planté, il a ouvert, il est passé sur l'os. Mais la profondeur. Il a nettoyé alors. Un peu trop propre pour le gendarme. Il continue d'inspecter tous les autres couteaux de la cuisine. Sans armes, sans aveu, et avec une victime ukrainienne, l'enquête est mal engagée. Alors le gendarme tente encore de l'interroger. Mais cette fois avec l'aide d'un vacancier russe, trouvé par hasard dans la résidence. C'est Marco. Bonjour, est-ce que ça vous dérange 20 secondes que je rentre avec une personne qui peut me traduire le russe, de manière à ce que je puisse savoir un peu clarifier la situation, parce que je ne suis pas du tout au courant, partant du principe qu'on ne parle pas. Demandez-lui ce qui s'est passé. Et qu'il me dise qui c'est qui lui a fait ça, c'est tout. Après, je te laisse. Là, il dit que ça lui est arrivé lui-même. Il dit qu'il y a un petit, avec un petit couteau, il s'est blessé et ça en fait exprès. Ouais. Deux fois. Il s'est blessé deux fois. Dans un premier temps, il dit qu'il s'est fait ça tout seul, mais c'est impossible. Il a une balafre comme ça sur toute la longueur du dos, c'est ouvert sur ça. Plus la même sur la jugulaire, il a deux doigts d'y passer. Et pour finir, en fait, c'est bien son pote, c'est bien celui qu'on a pris, là, qui était assis tranquillement sans le plumard. Donc je pense qu'ils ont dû se disputer. Et le coup, il est parti comme ça. On file au bureau. L'adjudant n'en démord pas, il tient son coupable. Mais il manque encore de preuves pour confirmer sa version. Alors, pendant que le blessé est évacué vers l'hôpital, l'équipe scientifique entre sur la scène du crime. Bah, de toute façon, là, ce qu'on cherche, c'est l'arme blanche. Donc, à part le canif, pour l'instant, qu'on a trouvé sur la table, le couteau de cuisine qui était ici posé au sol, on s'aperçoit que dans le tiroir, là, sous l'évier, on a encore un autre couteau de type boucher. Il y a un autre couteau de cuisine, donc... Le couteau de boucher présente quelques petites traces rougeâtres. Peut-être du sang. Les couteaux sont photographiés, mesurés, puis placés sous scellés, avant d'être envoyés au laboratoire de la gendarmerie. En attendant, un autre détail attire l'attention des experts de l'identification criminelle. Et manifestement, ici, dans l'évier, quelqu'un a nettoyé des traces de sang. Sur quoi, on ne sait pas, mais donc on va voir ça de suite. Les scientifiques vont utiliser un produit qui détecte les traces de sang, invisibles à l'œil nu. En réaction, une couleur bleue apparaît. Et voilà le résultat. Partout, cuisine, salle de bain, escalier, une maison maculée de sang. Et si tout ce sang a été nettoyé, c'est que le présumé criminel a tenté de faire disparaître les preuves. Alors, coup de folie ou crime prémédité, le colocataire est plus que jamais le suspect numéro un de cette affaire. Le lendemain matin, à la gendarmerie, Greg, l'officier de police judiciaire, commence l'audition du suspect. Autour de lui, Alain de la brigade de recherche et Zépur, une traductrice russe. Il est né en Ukraine, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a fait après? Qu'il m'explique un peu. Malgré les preuves qui semblent l'accabler, le suspect continue de nier. Et il prétexte même ne plus se souvenir de rien. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Je suis revenu à moi quand j'ai vu qu'il était blessé et j'ai couru pour appeler les secours. Faites-lui, dites-lui bien qu'il faut vraiment qu'il arrête de nous raconter des conneries. D'accord. C'est fait maintenant. Hein, c'est fait. Donc, il dit soi-disant qu'il a une perte de mémoire. On n'y croit pas un instant. Il faut juste qu'il s'explique sur les circonstances, pour les faits pour lesquels il est arrivé à porter des coups de couteau. Il y a des éléments matériels sur place.
qui tendent à dire que vous mentez complètement. Donc nous, on n'y croit pas, le magistrat ne va pas y croire non plus. Sous la pression, l'Ukrainien concède finalement qu'il est peut-être l'auteur des coups de couteau. Qui a pu bien lui faire ça? Кто мог это его так ранить? Alors, il pense que c'est lui, mais il se souvient pas. Le suspect tourne autour du pot, mais les gendarmes ont besoin d'aveux. Seule solution, retrouver l'arme du crime afin de le confondre. Greg et Alain décident alors de retourner chez lui et de perquisitionner son domicile en sa présence et avec l'aide de l'interprète. S'il se souvient, s'il sait où il a mis le couteau. Si vous vous souvenez où vous avez mis le couteau, je peux vous dire. Qu'ils nous le disent de suite. Hein. Les analyses faites sur les autres couteaux n'ont rien donné. Alors les gendarmes espèrent encore retrouver l'arme du crime dans la maison. Et cette dernière fouille va s'avérer fructueuse. Tiens, on a retrouvé un couteau là. Il n'a pas avec de gants. Avec trace de sang dessus. Attends. Donne les sachets là qui est en bas. D'accord. Non. Si vous l'avez tailladé avec ça, pourquoi le couteau il est là? Mettre le couteau ici, je veux dire, ça se fait consciemment, ça. Ça se fait pas. Pour les gendarmes, c'est sûr, l'homme était lucide au moment des faits. Et il a tout organisé pour tenter d'échapper aux conséquences de ses actes. Mais malgré tout ce qui semble l'accabler, le suspect refuse toujours de dire la vérité. Alors Greg et Alain se rendent à l'hôpital pour mettre un point final à leur enquête. Donc il a été opéré toute la nuit du coup de couteau à la carotide. A priori, on peut l'entendre ce jour, donc on en profite. Monsieur, bonjour. Malgré la gravité de ses blessures, la victime semble avoir récupéré. Mais encore une fois, elle affirme que son colocataire lui est venu en aide. C'est Yvan qui lui a mis la deuxième serviette sur la blessure du dos. Et finalement, un peu plus tard, l'homme désigne clairement le suspect comme son agresseur. Il dit quand il était en train de couper et de préparer sa viande, Yvan a dévalé les escaliers et il a donné des coups de couteau. D'accord. J'ai pas compris pourquoi. Pourtant, à la grande surprise des gendarmes, la victime continue à protéger celui qui a bien failli le tuer. Est-ce qu'il veut déposer plainte? Vous ratez, c'est pas d'être jeune, mon ami. Alors il dit, je voudrais pas parce qu'il a dit qu'il paiera tous les frais. Il ne veut pas ça dire. Il ne veut pas porter plainte. Vous lui dites qu'il va, il va quand même en prison. C'est là-bas, il veut tellement pas ça dire. Malgré l'insistance des gendarmes, la victime ne portera pas plainte. Le suspect est aujourd'hui en attente de son procès. Après cette agression particulièrement violente à l'arme blanche, il encourt jusqu'à 5 ans de réclusion et 75 000 euros d'amende.